la deuxième fois qu'on se rencontre. Quel hasard incroyable, tu ne trouves pas? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, elle m'a puni, mais après elle m'a pardonné. Et elle m'a laissé jouer avec toi. Mais si ta mère t'a fait promettre de ne pas aller voir ce monsieur, tu ne pourras plus jamais aller le voir, enfin, je comprends pas. Mais non, idiot, parce que quand j'ai promis, eh ben j'avais les doigts comme ça. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, quand quelqu'un te demande de faire une promesse et que tu ne veux pas faire cette promesse, eh ben tu mets tes doigts comme ça, tu vois, et la promesse est annulée. Ah! Oh mon Dieu! Hé, hey, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde! Tu sais ce que c'est, ça? Oui, une vieille chaussure usée de football qui pue. Nous devons la frotter. Mais pourquoi tu veux la nettoyer s'il n'y en a qu'une? Tu vas pas pouvoir l'utiliser. Mais non, pas la nettoyer, la frotter pour que le génie sorte. Je crois que tu es vraiment fou. Ah, Tonio, tais-toi. Génie, je t'en prie, tu dois apparaître. Aladdin n'a plus besoin de toi, génie. Je t'en prie, tu dois apparaître. Je pense que tu es fou. Tais-toi, tu vas l'effrayer et ferme les yeux. Génie, s'il te plaît, il faut te montrer. Génie, je t'en prie, tu dois te montrer. Génie, je t'en prie, tu dois te montrer. Bonjour. Excusez-moi, pardon, 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 Margarita, je suis là. Adela. Oh, attends, ne me dis rien. Laisse-moi récupérer. En fait, comme tu m'avais annoncé que tu avais quelque chose de très important à me dire, je suis venue en courant. Heureusement, j'avais des courses à faire. Et ça a été une excuse parfaite, ma chérie. Excuse-moi de t'avoir fait sortir du travail, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un, sinon j'allais exploser. Je ne voulais pas parler à ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ne me dis rien. Ne me dis rien. Il y a eu une dispute entre Rosita et ta mère. Non, 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 non. C'est pire que ça. J'ai rencontré le père de mon fils. Oh mon Dieu. Tu dois être le génie parce que j'ai frotté la lampe. Mais quelle lampe? Celle-ci. C'est qu'en fait, mon copain a faim, alors il a des visions. Ah, alors elle est comme celle d'Aladin, alors? Bien sûr. Tu connais ce garçon? Dulce! S'il te plaît, viens tout de suite avec moi! Mais... Viens, Dulce! Je ne veux pas que tu restes avec cette espèce de racaille! Espèce de racaille toi-même! Bégasse! Sorcière! Espèce de mégère! J'ai rencontré le père de mon fils. Et c'est bien ou mal? C'est terrible, Adela! Tu sais bien que Frigolito croit que son papa est mort! Et cet homme veut le voir? Non, 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 il ne sait pas qu'il a un fils. Et que t'a-t-il dit? Il ne m'a rien dit, je me suis enfuie. De plus, je ne veux plus jamais parler à ce type. Cet homme m'a déjà trompée une fois. Tu sais quoi? Il était avec sa fille. Ça veut dire que quand il me disait qu'il m'aimait, il était en fait marié et avait une fille. Oh mon Dieu. Si tu viens pour un café, c'est pas le bon endroit. Pourquoi? Ça, c'est plutôt de l'eau sale. Oh, ça ne fait rien. Demain, j'apporterai du bon café. Parle-moi un peu de toi. Tu es marié? Marié, divorcé, amoureux de nouveau et encore déçu. Tu serais pas radiologue? Tu viens de faire une radiographie parfaite de ta vie. Rosita, tu n'as pas vu mon porte-monnaie? Il est là sur la table. Je t'ai vu toute la journée habillée de mariachi. J'ai juste eu le temps de me rafraîchir et regarde, c'est déjà l'heure d'aller bosser. T'arrêtes pas. Au revoir, Rosita. Au revoir. Au revoir, maman. Fais plein de bisous à mon fils pour moi. Je les lui ferai. Passe une très bonne nuit. Merci. Dans cette maison, il n'y a pas de boniche. Donc, ne laisse pas traîner les slips dans la salle de bain, tu m'entends? Je les ai laissés dans la salle de bain pour qu'ils sèchent. Mais la salle de bain n'est pas un séchoir. Étends-les dans la cour. Mais je n'ai pas envie que tout le monde voit mes culottes quand même. Et moi, j'ai pas envie de les voir dans la salle de bain. Pourquoi vous défoulez-vous sur moi? Quand il pleut, c'est toujours de ma faute. Et quand il ne pleut pas, c'est de ma faute aussi. Ne sois pas insolente avec moi. Je ne suis pas insolente. Pourquoi vous me traitez mal? Vous êtes pleine d'amertume et tout ça, c'est parce que mon père vous a...
Quel plaisir de vous voir, Monsieur Reyes. Juste deux choses. La première, je veux que vous cherchiez à savoir si mon beau-père a eu un fils. Que je sache, Monsieur Reyes n'a jamais eu de fils. S'il en avait eu un, il aurait figuré sur le testament, mais ce n'est pas le cas du tout. Il y a vous, votre frère, votre sœur, et comme elle a renoncé à son droit d'héritage... Ne me dites pas des choses que je sais déjà. Je veux seulement savoir si Alfredo Reyes a eu un fils. J'ai déjà mon frère comme héritier, il n'est pas question qu'il en surgisse un autre. C'est hors de question. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Reyes. Je ferai toutes les recherches nécessaires. Autre chose. À propos de la fausse copie des bénéfices de l'entreprise que je vous ai fait préparer. Tout est prêt. Je peux la montrer à votre frère quand il le veut. Soyez tranquille, Monsieur Reyes. Il ne se doutera de rien. Ce n'est pas lui le problème. Il me fait entièrement confiance. C'est sa future femme qui veut mettre son nez dans les affaires de l'entreprise. Préparez donc des comptes qui montrent de faibles bénéfices. Mais dis-moi, s'il s'appelait Ignacio, pourquoi ils n'ont pas mis Ignacio sur sa tombe? Parce qu'en fait, il s'appelait Alfredo Ignacio. Et je sais pas, moi, peut-être parce qu'ils avaient pas assez de place pour les deux noms, alors ils ont mis Alfredo Reyes. Reyes, c'est ton nom de famille, alors? Non, mon nom, c'est Lizarraga. Pourquoi? Pourquoi quoi? Mon papa s'appelle Gregorio Valbuena. Et moi, je m'appelle Antonio Valbuena. C'est les mêmes noms de famille. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de place pour écrire Lizarraga, alors c'est pour ça qu'ils ont seulement mis sur la tombe Reyes. Tu comprends? Lizarraga est très long! Je pense à elle toute la journée. Je ne peux pas me l'enlever de la tête. Ça, mais ce n'est pas grave. L'homme est né pour être toujours amoureux, tu le sais bien. Et tu sais quoi? Je vais lui demander qu'elle devienne ma femme. Non! Oh, ça oui, c'est grave. Tu sais quelle est la différence entre une jolie femme et une sorcière? Non. C'est 2 ans de mariage. Pourquoi tu veux te marier avec elle? Tu dis que tu l'aimes, pour ensuite ne plus l'aimer? Ah, Monsieur Pedro. Oui? Venez prendre une petite bière avec nous. Je ne bois pas. Ah, maintenant non, mais autrefois qu'à l'ivrogne, hein? Pardon, je crois que je vais aller accorder ma guitare. Excusez-moi. Excusez-le, Monsieur Pedro. C'est qu'il a la tête dans les nuages parce qu'il est amoureux. Oui. Je le sais déjà. Et de qui? Tout le monde le sait. Je serai donc le seul qui ne le sait pas. Monsieur Pedro, comment ça va? Bonjour. Ne t'inquiète pas, Juan. Tu n'es pas le seul qui ne le sait pas. Quoi? Mais de quoi parlez-vous? Il paraît que Vicente est très amoureux. Sérieusement? Comment? De qui? Il ne m'a rien dit. Non, et il ne te le dira pas. Bonjour. Non, je ne peux pas te parler. Écoute. Attends. Pourquoi tu t'en vas? Viens ici. On ne fait pas faire ça à un ami. Non, tu n'es pas mon ami. Je ne connais même pas ton nom. Ma maman m'a dit que, d'abord, on doit connaître le nom des gens avant de devenir des amis. Oui, ta maman a bien raison. Je m'appelle Ignacio. Pareil que moi. Ne me dis rien. Tu t'es encore disputé avec Madame Evangelina. J'en peux plus. Non, attends. Si la patronne voit que je fais entrer une inconnue, elle va me virer. Allons par là. Allons-y. Vos histoires n'ont pas de nom. Vous n'arrêtez pas toutes les deux. C'est impossible de maintenir la paix avec cette femme. Elle me poursuit, elle me surveille tout le temps. Et cette fois-ci, elle a abusé. Elle m'a frappée. Elle t'a frappée? Oui, elle m'a donné une claque. Ah, je connais bien Madame Evangelina. Elle est incapable de faire du mal à une mouche. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. Mais moi, elle m'a frappée. Et toi, qu'est-ce que tu lui as fait? Ou plutôt, qu'est-ce que tu lui as dit? Parce que tu as une de ces langues, ma chérie. Je lui ai dit qu'elle était amère et que c'est pour ça que papa l'a quittée. Alors il vaut mieux te taire, parce que tu as fait une affaire si elle t'a seulement donné une claque. Si tu me dis quelque chose comme ça à moi, je t'en donne 10. Non, qu'est-ce que je dis? 20. Bon, j'ai été un peu mauvaise. Un peu. Si tu ne regardes que d'un seul œil, tu as été très mauvaise. Si bien que maintenant, tu vas aller lui demander pardon. Mais elle aussi, elle m'a... Mais rien du tout. Tu l'as beaucoup vexée. Alors maintenant, tu lui demandes pardon et c'est tout. Est-ce que tu as bien compris? Elle ne veut pas que je te voie parce qu'elle dit que tu es un inconnu.
Elle m'a fait promettre de ne plus jamais te voir. Bon, mais le fait d'être inconnue, ça y est, on l'a résolu. D'ailleurs, nous avons le même prénom. Ouais, pareil. Écoute, si tu veux, je vais passer chez toi pour me présenter à ta maman pour qu'elle soit tranquille. Toutes les mères veulent le bien de leur fils, non? Oui, ça me plaît que tu t'appelles comme moi. Écoute, c'est vrai que j'ai une tête de papa.